Papa? Oui, papa. Thank you.
Ces habitants de Berton, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans votre ville, nous sommes en train de travailler pour le grand programme qui commence ce soir à partir de 17h. Nous serons le mardi, mercredi, jeudi, Emia, avant la maison spirituelle. Nous avons 3 jours de haute tension prophétique dans notre salle, dans notre église qui est encore en chantier, comme vous pouvez le voir. Donc, vous êtes nos invités et ne manquez aucunement ce grand rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous vous préparez et que vous venez ce soir. Tous ceux qui sont dans le village de Bertrand, le village d'Akoto, il y a des villages, il y a Goumé, attention, il y a Abomban, Belabo, Batouri, Garaboulaï, Mukayo, Ngelemenduka, Njan, Ndokayo, Goumé, Dimako, voilà. Hein? Long Tibi, Long Panga, ne manquez pas Batouri, Yokadouma, Tombo Galdima.
Il en va de la tête. Arrondissement d'un bon mal. Arrondissement d'un bon mal. Ne manquez pas. Vous êtes nos invités ici à Belfort. Prends déjà ta voiture. Viens avec ta famille. C'est les vacances. Nous allons bénir les enfants. Que Dieu veille sur eux et que le Seigneur les préserve et les garde. Donc ne manquez aucunement à ce grand rendez-vous. Pendant que tu viens, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te compte. Alors, Bertois, Mido Bertois, Mido Domanko, Église Amina Bertois, Mido Fatide Enia, Mido Enia, Fatide Enia, Kiki de Hande, Yakin. Mido Fatide Enia, à partir de ce soir, ça passe, le son passe. Voilà, je fais le direct pour le vérifier mon père. Mindo, voilà l'équipe naturelle. Mindo Fatou de Enya, Kiki de Andero, Mindo Fout Akadi. Jamdi Djoy, Kiki de Taton Manka, Mindo Enya, Mbara Eglise, Mindo Maharo, Mindo Wara Kajou, Mindo Wara Depi Kajou, Mindo Fat, Mindo Ranje Mappé. Mindo Tiala, ça passe, le volume est bon. Comme Mindo Tiala Kaji, Mindo Rien Amour, on doute que tous les malades qui viennent, tous ceux qui sont bloqués, qui viennent, ceux qui ont des problèmes spirituels, qui viennent. Les problèmes spirituels ne se résolvent pas avec des médicaments. Et ça fait la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est une source de grâce, une source de bénédiction, une source de guérison, une source d'élévation. La Bible dit, il envoya sa parole, elle est guérie. Nous aimons Bertois et nous avons offert ce joyau à Bertois, pour un lieu d'adoration, parce que j'ai remarqué l'engouement des populations de Bertois, c'est ça. On a tenu à offrir une chapelle comme celle-ci à Bertois. Hormis la chapelle, nous avons en bas là-bas le projet de construction de la plus belle école de la ville de Bertois. Pas la plus grande, certainement, mais la plus jolie. Une école VIP pour satisfaire les populations de Bertois et participer à l'éducation et à la formation des populations, de la jeunesse de Bertois. Et permettre aussi aux parents d'avoir un cadre agréable, un cadre propice pour une éducation disciplinée et bien dosée pour assurer l'avenir de leurs enfants. Donc ça, on ne joue pas avec. Nous ne jouons pas dans ce que nous faisons. Nous sommes très sérieux et le Seigneur nous aidera à mener à bien ce projet, lui qui a commencé, selon ce qui est écrit. Dieu qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'amènera jusqu'à sa fin. Donc nous croyons que le Seigneur le fera. Donc ceux qui sont malades physiquement et bien spirituellement, qu'il ne manque pas, les portes seront ouvertes dans ta vie, dans ta famille. Et la gloire de Jésus-Christ se manifestera puissamment pendant ces trois jours dans la ville de Bertois. Nous bénissons les autorités de cette ville, nous prions pour elles. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur leur accorde la grâce d'achever leur travail, de le faire dans de bonnes conditions et de la plus belle façon. Donc nous rendons grâce à Dieu et nous travaillons durement en tant que congrégation baptiste camerounaise pour participer au développement de la ville de Bertois. Nous voulons le faire. On a beaucoup de projets infrastructurels à mener dans cette région de l'Est, parce que c'est une région en expansion, et je pense que l'Église n'a pas seulement le rôle de prêcher l'Évangile, mais aussi de participer à sa façon au développement de chaque région. Nous le faisons à Bertois. Nous le ferons aussi dans d'autres régions du Cameroun, dans les 10 régions du Cameroun, s'il plaît à Dieu. À Yaoundé, nous avons fait déjà quelque chose d'extraordinaire. Et nous avons aussi le projet de l'école du côté de Yaoundé. Dieu nous bénira, qu'il bénisse Bertois. Tous ceux qui veulent nous soutenir ce soir, on vous donnera toutes les coordonnées pour pouvoir poser un acte de bravoure devant le Seigneur pour voir ce projet réussir. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Donc nous continuons le travail ici.
Est-ce que vous avez combien de groupes? On a, j'ai fait deux groupes. Combien de groupes? Il y a un groupe de 10 cabins. Avec les appareils. Un groupe pour les appareils, un groupe pour la lumière. Pardon, est-ce que les groupes là sont solides? C'est solide. Est-ce que c'est des vrais cabins? Ce n'est pas les cabins dirigés. Ce sont les vrais cabins. On a l'habitude d'utiliser. Ça va plus. Lui, il est parmi les. Il n'est pas le responsable de ces consciences-là. C'est lui qui est dans le comité. Hein? Dans le comité technique, il a bien fait. Félicitations. Il est au pasteur qui est au fond, et pendant que je travaille ici dans le travail, je devais venir. Tu dis que la base est de la base. Ils sont en train de...
Merci. Ici la lente est, c'est le copissage qui va rattraper tout. Oui. Ça va prendre le niveau. Ça sera bien. Ça sera bien. C'est une baie vitrée. Hein. Tout ça, c'est une baie vitrée qu'on va mettre. C'est une jolie baie vitrée. Hein? On va lever le poteau sur le coffre. On va libérer l'espace. Et donc, là, vous pouvez utiliser la porte ça pour la porte. Aujourd'hui, on lui dit ça aussi pour que la mettre. Non, ça, on va casser ça. Les gens vont casser ça pour aller. On a décidé de laisser ça pour éviter que ça se casse. Oh, d'ici 15 heures, ce sera un pierre quand même solide. Mais il faut laisser le bois là pour ça. D'accord. Viens, petit, avec ça. J'ai une équipe très vaillante. Une équipe vaillante. Jusqu'à minuit. C'est la bonne carrière de l'équipe. Moi, j'ai pas vu le. C'est bon. Hein? Voilà, bien aimé. On va vous laisser. On va se concentrer un peu dans le travail. Donc, nous continuons à dire que nous sommes à Berthois, dans la ville de Berthois, au quartier Enya. Nous sommes au quartier Enya. Le programme commence ce soir jusqu'à jeudi, tous les soirs 17h, dans notre chapelle Réma, la CBC Réma, ici à Enya. Donc, ne manquez pas, soyez nombreux à venir. Et la gloire du ressuscité se manifestera dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Je vais encore dire merci à tous ceux qui, de près comme de loin, soutiennent cette œuvre ministérielle. Vous êtes extraordinaires. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont au Cameroun et hors du Cameroun, que Dieu vous bénisse, qu'il augmente vos ressources financières pour que vous soyez toujours des sources de bénédiction pour la mission que le Seigneur nous a confiée. Que Dieu vous bénisse et je vous aime énormément. Que le Seigneur, je vous aime encore plus. Alors, rendez-vous ce soir. Ceux qui ne pourront pas être là en direct parce qu'ils sont loin, soyez connectés en direct. Soyez connectés en direct. La gloire de Dieu sera extraordinaire en ce lieu. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Bye. Bonne journée.